Hello and welcome, everyone. It's a real pleasure to be able to introduce Christian Salmon, who is a writer and researcher in the Center for Research in the Arts and Language at the CNRS in Paris. He's also the founder of the International Parliament of Writers, of which he was executive director from 1993 to 2003, and he was editor of the organization's journal Auto-da-Fé. He has also worked as a literary critic. He writes for Le Monde in Paris, and he's the author of several previous books, including Verbicide, Devenir Minoritaire, and one which hasn't been translated yet, but I'm very much looking forward to, called Kate Moss Machine. His most recently translated book, which he's going to be talking about today, is this very fascinating book called Storytelling. Now, I suppose, like most people, I had assumed that storytelling was an entirely benign thing. We like to hear stories, we like to tell stories. Stories are great, aren't they? But what Christian demonstrates in this book is that the techniques of narrative analysis have been appropriated since the 1990s by management theorists and so-called spin doctors in order to obscure the truth from us. And that's what Christian's going to be talking about to us today. So without further ado, I present Christian Salmon. Je vous remercie, je m'excuse devant vous humblement de m'exprimer en français. Mais comme je disais tout à l'heure à nos amis, quand quelqu'un comme Zizek, qui a une pensée extrêmement complexe, la simplifie un peu pour s'exprimer en anglais, ça reste quand même très intéressant. La mienne et ma propre pensée est déjà assez simple, comme vous pourrez en juger, donc je ne peux pas la simplifier davantage, sinon il ne restera pas grand-chose. So thank you very much for coming, and I'd like to apologize very humbly for not speaking in English, but as we were just saying, he's mentioning Zizek, who has a very complex thought that can be simplified, but if my simple ideas are simplified anymore, there wouldn't be anything left. Donc le storytelling, je suis coupable d'une chose par rapport à votre langue aussi, non seulement de ne pas l'utiliser devant vous, mais également d'avoir introduit dans la langue des politiciens, des journalistes français, un mot anglais, storytelling, qui est un mot, comme vous savez, banal, qui signifie évidemment storytelling, l'art du récit, mais qui est devenu en France une sorte de synonyme de manipulation, instrumentalisation, technique de captation des attentions. Et le coupable, évidemment, c'est ce livre qui a été publié il y a 3 ans, et qui est devenu une sorte de prisme à travers lequel on lit la politique française depuis 3 ans. Il faut dire que j'ai eu une excellente attachée de presse en France. Un excellent attaché de presse, c'est évidemment le président Nicolas Sarkozy, qui a fait beaucoup d'efforts pour illustrer cet art du storytelling. Donc maintenant, chaque fois qu'il fait quelque chose, on me téléphone pour me dire « alors, c'est quoi l'histoire, là ?» So I'd like to plead guilty for using an English word, storytelling, which has now become a very important word in the language of French politicians. It's a banal word, storytelling, but in France it's now become a synonym with manipulation or kind of devious kind of behavior. And since the book was published 3 years ago, it's now been a prism through which French political debate is viewed. But what's really important is I've got a great press attaché in the form of President Sarkozy, who calls me up when there's a particular story that needs defining or telling. Plus sérieusement, comment s'est passée en fait cette captation des techniques du récit par les hommes politiques? Pour l'expliquer, je voudrais d'une certaine manière avertir contre 2 dangers. Le premier, c'est de l'objection qu'on fait souvent, c'est de dire qu'au fond, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que les hommes politiques ont toujours raconté des histoires, que Louis XIV racontait des histoires aux Français, et qu'au fond, rien n'a changé. Première objection.
Deuxième objection, c'est de considérer que ce storytelling, c'est une technique exclusivement de communication politique et de réduire, au fond, ce que moi j'appelle la storytelling machine à une technique de communication. So, slightly more seriously, what this book is about is the way that storytelling techniques have been taken over to present discourse. Now, there are two dangers and two things we need to think about. The first one is there's the objection that's always made, well, there's nothing new in this. There's nothing new under the sun. Louis XIV, right throughout history, people have used stories for manipulative purposes. The second idea is about the use of the technique of communication to vehicle ideas. En vérité, j'ai pris conscience de, puisque dans ma biographie, en fait, je ne suis pas suspect d'être un ennemi du récit ou du roman, puisque, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, je me suis occupé pendant 10 ans, j'ai créé une organisation qui avait pour objet de défendre des écrivains persécutés, qui dans leur pays étaient pourchassés, censurés, à qui on déniait au fond le droit au récit. On a créé ce Parlement des écrivains pour cette raison. Et c'est justement au cours d'un de ces voyages où on a établi des villes-refuges pour accueillir ces écrivains persécutés. C'est au cours d'un de ces voyages aux États-Unis, j'étais à l'université de Cornell. Et c'est précisément au cours de ce voyage que j'ai découvert ce phénomène du storytelling. So, what I'd like to mention as part of my biography, and what's really important, is that I'm not an enemy of the novel or the enemy of narrative. And in fact, I was instrumental in setting up an organization, the International Writers' Parliament. And the purpose of this organization was to defend writers who are persecuted in their countries and who are denied the right to create and write narratives. And one of the things that this parliament did was to create refugee towns. It was a network of cities that would welcome writers to come and live and be in an environment free from persecution. And it was during a visit to the US in this context of the International Writers' Parliament that I came across the idea and the concept of storytelling as I've described it in my book. Oui, c'était au début de l'hiver 2001, donc bien avant, quelques mois avant la chute de l'attentat contre le World Trade Center. Et c'était au moment où le président Bush prenait ses fonctions à la Maison-Blanche et qu'il a organisé une conférence de presse pour présenter son cabinet. Et donc j'étais invité ce soir-là chez un universitaire qui enseignait la littérature française à Cornell, et qui est un spécialiste de la narratologie, et nous avons regardé ce discours à la télévision ensemble, et on a eu tous les deux la même surprise d'entendre George Bush commencer son discours en disant « Chacun d'entre nous a une histoire, et cette histoire raconte ce que l'Amérique peut et doit être. » It goes back to in the winter in 2001, before the attacks against the World Trade Center, when Bush was just coming into the White House, gave a press conference, and Christian was at an academic friend, a professor of French literature, and they watched the Bush's press conference on television, and Bush said, "Each of us has a story to tell, and each of us has a story to tell about what America is and should be." Il a présenté Colin Powell en disant « A Great American Story », son secrétaire d'État au commerce « I love his story », ainsi de suite. Et dans un discours qui n'a pas duré plus de 4 ou 5 minutes, on a compté, il avait prononcé le mot « story » plus de 10 fois. So he presented Colin Powell, who said, you know, he's Colin Powell, a great American story, then the Secretary of Trade, another great American story. And in the space of 4 to 5 minutes, he'd used the word story 10 times. Quelques années plus tard, d'ailleurs, je l'ai entendu lors d'une conférence de presse toujours aussi brève, parce qu'évidemment, George Bush ne peut pas faire des conférences de presse trop longues, dire en Afghanistan, aux côtés de flanqué de Hamid Karzai, je l'ai entendu dire, c'était 2006, je crois, nous aimons les histoires
Et nous attendons des histoires de jeunes filles qui vont à l'école en Afghanistan. So a few years later, there was another short conference, press conference by George Bush, but he can only give short press conferences. And he was side by side with in Afghanistan with Hamid Karzai, and he said, "What we want stories about young girls who go to school in Afghanistan." Entre ces deux périodes, donc entre sa prise de fonction et cette conférence en Afghanistan, il est évident que George Bush a été un conteur extraordinaire, un narrateur extraordinaire, qui s'inspirait beaucoup d'un personnage un peu en arrière-plan, bien qu'il est devenu assez célèbre par la suite, qui est Karl Rove. Karl Rove, le narrateur de la présidence Bush, qui a continuellement inventé des histoires d'Américains qui se battent à la frontière, etc., etc. À ce point que, juste un mot, Karl Rove, quand il a dû démissionner et quitter le pouvoir, a eu cette phrase qui était une sorte d'aveu, puisqu'il a dit « Je suis devenu Moby Dick, toute la presse me poursuit ». So between 2001 and those two press conferences, 2001-2006, it became clear that George Bush was a great narrator, a great storyteller. And as time went by, it became clear that behind the great storyteller was another great storyteller in the person of Karl Rove, who was spending all his time making up, inventing stories for Bush. And the point that when Karl Rove resigned, eventually said, he was quoted as saying, "I'm Moby Dick and all the press are after me." Il y a eu, rappelez-vous, l'histoire, et nous revenons un peu ici à Londres par cette même occasion, il y a eu l'histoire tout de suite après le 11 septembre, lorsqu'il a fallu mobiliser les opinions publiques européennes pour l'effort de guerre et pour l'intervention en Afghanistan. On a vu, et ce n'est pas moi qui le raconte, c'est un général à la retraite qui a fait une conférence en Angleterre en 2007. Il raconte comment la même histoire, la même storyline, et dans le même timing, et avec les mêmes narrateurs, ont été racontées de part et d'autre de l'Atlantique par la femme de George Bush et par la femme de Tony Blair, Sherry Blair. En effet, novembre 2001, rappelez-vous, les opinions publiques étaient assez hostiles à s'engager aux côtés des États-Unis dans une intervention, et est apparue l'histoire fameuse de ces jeunes femmes afghanes à qui on coupait les ongles lorsqu'elles se mettaient du vernis à ongles. C'était donc en novembre 2001, je crois le 11 novembre 2001, la femme de George Bush fait une conférence de presse et elle dit « Nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas laisser les talibans persécuter ces pauvres femmes afghanes qui, lorsqu'elles se mettent du vernis à ongles, on leur coupe les doigts. » Deux jours plus tard, Sherry Blair, à Londres, fait une conférence de presse et raconte très exactement la même histoire de ces femmes afghanes à qui on coupe les doigts parce qu'elles se mettent du vernis à ongles. So what was really interesting in the aftermath of September 11th, when it was really important for the Americans to mobilize European public opinion in favor of the invasion of Afghanistan, and public opinion wasn't then in favor of it, and a retired general in a press conference in 2006 noted that the same storyline had been used by both Laura Bush and Sherry Blair. Apparently in November 2001, Laura Bush gave a press conference where she said, "We can't stand by and let the Taliban cut the fingers off of ladies or girls who put nail varnish on." 2 days later in London, Sherry Blair gave a press conference saying exactly the same thing. Ce général à la retraite raconte que, en fait, celui qui était l'opérateur de cette opération de communication, vous le connaissez très bien, je l'ai moi-même rencontré à Paris dans une émission de télévision, c'est le célèbre Alastair Campbell, l'auteur du rapport Sexy sur les armes de destruction massive, qui est un ancien journaliste de tabloïd, devenu donc stratège du pouvoir de Tony Blair,
et qui a été récemment interrogé, je crois, sur ses forfaits à l'occasion de cette communication de guerre. Mais je rajoute juste un élément, qu'elle n'a pas. Donc ce général critiquait ce qu'il appelait les storytellers politiques en disant que jamais aucune guerre, comme celle de la guerre en Irak, n'a permis autant d'histoires qui ont été racontées. Et il disait, quand il faudra se retirer, le traumatisme sera bien pire que celui occasionné par le retrait et la défaite au Vietnam, parce que les gens ne seront plus capables de croire le discours des hommes politiques, on les aura tellement trompés. Je vous rappelle, c'est un général spécialiste de la communication de crise qui parle, pas un intellectuel. So this retired general gave a press conference, who is an expert in communication, identified Alistair Campbell as being behind this story, and as you know, he was the author of the sexed up report on the Iraq war, and who's also recently was Christian met him in Paris, and who, as you know, gave evidence to the Chilcot inquiry. But what the general importantly said, it criticized this political storytelling, because he said from a military point of view, what's going to be much worse after withdrawal is that when people see that it's a story and that their trust has been broken, they won't believe anymore. Quelle n'a pas été ma surprise quelques années plus tard, donc après l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, d'entendre, j'avais raconté ce que je viens de raconter là, je l'avais raconté dans une chronique du Monde, donc c'était déjà public en France, l'histoire des femmes afghanes à qui on coupe les doigts. Et lorsque Barack Obama rend visite au président Sarkozy à Paris à l'été 2008, et qui a décidé le renfort des troupes françaises en Afghanistan, quelle n'a pas été ma surprise d'entendre au cours de la conférence de presse Nicolas Sarkozy justifier l'effort de guerre en Afghanistan en racontant, devinez quoi, les femmes afghanes à qui on coupe les ongles parce qu'elles se mettent du vernis à ongles. Et puis, quelques jours plus tard, François Fillon, devant les députés à l'Assemblée nationale, ressort l'histoire des femmes afghanes. Nicolas Sarkozy va à Kaboul lorsque 10 soldats français ont été tués dans une embuscade. Il raconte cette même histoire des femmes afghanes. Donc il y avait vraiment c'était un must de la communication à l'occasion, sur la guerre en Afghanistan, que cette histoire des femmes afghanes. So, how surprised Christian was after the election 2007 of Nicolas Sarkozy to the President of the French Republic. Christian had already published in his chronicle in Le Monde the story about the Afghan girls with painted nails and how they were cut off. When Obama visited Paris and held a press conference with Sarkozy, Sarkozy justified the French involvement in Afghanistan using the same story of girls having their fingers cut off for putting on nail varnish. François Fillon, the Prime Minister, used the same story in the French National Assembly a couple of days later. And again, as did Sarkozy when he visited Kabul a few months later, when 10 French soldiers had been killed there. Quand j'ai fait la recherche pour connaître quelle était la base de cette histoire, d'où venait cette histoire des femmes afghanes, j'ai fini par découvrir qu'effectivement, il y avait un rapport d'Amnesty International qui datait de 1996, dans lequel il était dit la chose suivante. On évoque la possibilité qu'une femme à Kaboul ait eu un ongle sectionné par un taliban parce qu'elle s'était mis du vernis à ongles. C'est-à-dire une histoire racontée au conditionnel. Il ne s'agissait plus de la main ou des doigts qui étaient coupés, mais de l'extrémité d'un ongle. Et Amnesty International, qui a été interrogé d'ailleurs l'année dernière, parce qu'il y a eu un film qui a été fait par l'agence CAPA sur mon livre. Et donc ils ont interrogé Amnesty pour savoir est-ce que cette histoire était depuis, pouvait être confirmée ou infirmée. Amnesty s'est révélé incapable de dire, de confirmer l'histoire des années après. Donc probablement c'est un racontard qui a été érigé en une sorte de... J'imagine que les étudiants qui étudieront les causes, vous savez, comme on étudiait au lycée, les causes de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien dans les causes de l'intervention occidentale en Afghanistan, il y aura
les femmes afghanes qui se font couper les doigts pour avoir du vernis à ongles. So I was interested in going to researching this in greater detail to find out where the story came from, and he tracked it down to an Amnesty International report in 1996, where it was said that there may have been an instance where one Afghan woman had her fingernail cut because she was wearing nail varnish, not an issue of having a finger cut off or a hand cut off in the conditional. And there was a film was later made about it, and Amnesty International were unable to confirm or invalidate this story, but said no, they'd written it in the conditional at the time. And so he wonders whether when students come to study the causes or the origins of the initial Western intervention in Afghanistan, whether this will be seen as an urban myth that was one of the seeds for the intervention. Ce phénomène du storytelling politique est devenu à ce point dominant que lorsque, en 2004, John Kerry a été battu par George Bush à l'élection présidentielle de 2004, les experts de la communication du Parti démocrate ont présenté leurs analyses de la défaite. Et l'un d'entre eux, qui était un personnage étonnant, qui s'appelle James Carville, qui est au fond l'architecte de la victoire de Bill Clinton en 92, il y a eu un film sur cette campagne menée par James Carville. James Carville a fait le diagnostic suivant. Il a dit, au fond, nous perdons toujours les élections parce que les républicains, George Bush, Karl Rove, racontent une histoire. Nous récitons une litanie. So one of the I think the important things about the emergence of political storytelling goes back. We can look at a good example of 2004 American election when John Kerry was beaten by George Bush, and James Carville, who was one of Clinton's advisors and the architect of his electoral success in 1992, came up with the analysis that the Democrats lose elections and the Republicans win elections because the Republicans tell a story and we, the Democrats, have a litany. Il ajoutait d'ailleurs George Bush raconte l'histoire, vous savez, de cet alcoolique qui a abandonné la boisson parce qu'il avait rencontré sur sa route, comme Saint Paul à Damas, la révélation de la religion. Mais il disait également, l'histoire est simple, l'histoire de George Bush, c'est nous allons vous protéger d'un danger qui est symbolisé, incarné. Nous allons vous protéger contre les homosexuels d'Hollywood et les terroristes de Téhéran. Voilà la story de Bush. So what the thing about Bush is important is that his story has been presented as simple as someone who overcame alcoholism, like, you know, St. Paul's conversion on the road to Damascus. His story was simple, protecting the good American people from the homos in Hollywood and the Talibans in Kabul. Mais il ne faut pas se contenter de rendre compte de l'histoire qui est racontée. Évidemment, les démocrates, eux, récitaient une litanie de réformes sur la santé, sur l'emploi, sur la défense, sur la guerre, etc. Mais ce n'était pas une histoire, selon James Carville. Hein. Mais en même temps, il ne suffit pas de raconter une histoire. Il faut voir aussi dans quel réseau, comment se diffuse cette histoire. Il y a un exemple particulièrement significatif que j'analyse dans le livre, qui est ce qu'on a appelé le Ashley Story. The Ashley Story. Yeah. So, what the Democrats, why they failed, as you just mentioned earlier, was the problem of reciting a litany of, you know, a political wish list. You need healthcare reform or reform the military or education, but the other important element which he describes in the book is not just about a story, it's also about the network. L'histoire, c'est donc une vidéo qui a été diffusée dans les 10 États flottants, qui s'appelle The Ashley Story, une vidéo de 30 secondes
qui a été la vidéo qui a coûté le plus cher de l'histoire des campagnes aux États-Unis, qui coûte déjà très cher. Et cette histoire est extrêmement simple. Bon, je vais vous la faire courte parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais en gros, c'est l'histoire d'une jeune fille qui rencontre George Bush dans un meeting. Cette jeune fille a perdu sa mère dans les tours du 11 septembre. Et George Bush, on lui signale, tiens, voici une fille qui a perdu sa mère dans les tours du 11 septembre. Il la prend sur sa poitrine et le papa, qui est un spécialiste du marketing et un militant du Parti républicain, c'est important quand même pour comprendre, fait une photo et cette photo est diffusée aux amis, etc. Bref, elle fait le tour de l'Amérique au point que les parents de cette petite Ashley mettent la photo sur leur buffet et la nomme l'étreinte, comme s'il s'agissait d'une sculpture de Rodin ou d'un tableau de maître. So this is the Ashley story which the Republicans used in their campaign, and it was a video, about a 30-second video that they promoted in 10 floating states, and it was the most expensive campaign advert ever made. And Ashley's story was the story of a young girl whose mother had been killed or died in the World Trade Center towers when they came down on September the 11th. Now, she met George W. Bush, who took her in his arms and hugged her, and her father, very importantly, who's a marketing expert and also a fervent supporter of George Bush, took a photograph of it, which became known as the hug, and which then was on the family sideboard and was circulated around America and became an icon. The photograph became an icon and then was developed into a video. Et au cours de cette vidéo, la clé de l'histoire, au fond, c'est que une amie de la famille racontait que cette jeune fille, depuis la mort de sa mère, n'avait jamais pleuré. Elle était close-up émotionnelle. Et que le jour où le président Bush l'a pris contre lui, on a vu pour la première fois des larmes couler de son visage. So the key element of the story is that when the girl who, since she'd lost her mother, was bereaving, had never was emotionally closed off and had not cried, and yet when she was hugged by George Bush, the tears started to flow. Donc on avait au fond l'idée, ça rappelle un peu l'histoire des rois thaumaturges, hein. On a au fond l'idée d'un président des États-Unis qui ne se présente pas devant le vote de ses concitoyens pour ses connaissances, pour son expertise, pour le programme politique qu'il entend mettre en œuvre, mais dans une sorte de présentation christique qui lui prêterait des pouvoirs surnaturels de guérir l'Amérique d'elle-même, de guérir l'Amérique contre ses peurs, contre ses traumatismes. Et donc, on voit bien à travers cette histoire que le storytelling a pour fonction et pour modalité et pour fond, au fond, la dépolitisation du politique. So, what's really important about it is that the president now becomes the president when he goes for the electors to ask them to vote for him is not actually asking to vote for his expertise on policy or on sort of government, but he becomes sort of like a Christ-like figure with supernatural powers to heal America, to cure ills and to protect the citizens. And so this is where political storytelling, the function of political storytelling, has actually been to take the political out of the political debate. Alors, je vais faire court parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je pourrais vous raconter, et elles sont racontées dans le livre, toutes sortes d'histoires qui ont émaillé la présidence de George Bush. Il y a eu l'histoire Mission accomplie, qui était une véritable superproduction hollywoodienne, où il a annoncé la fin de la guerre en Irak. Il y a eu son discours où on l'a présenté, on le filmait de profil devant le profil des fondateurs de la démocratie américaine sur la falaise de Rushmore. Il y a eu toutes sortes de mises en scène qui montrent que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas le talent d'une personne de raconter des histoires comme ça, mais qu'il y a une véritable technologie du pouvoir qui implique la participation de cadreurs. Je pense à un des communicants de la Maison-Blanche qui disait
ce qu'il y a autour du visage est plus important que le visage. Également, donc, le fait que ce qu'on a appelé le stagecraft, ce qu'on appelle le stagecraft, a pris la place du statecraft, c'est-à-dire la mise en scène du politique a pris la place de l'action politique, la fiction présidentielle a pris la place de la fonction présidentielle, et l'exercice du pouvoir s'est transformé en une sorte de fictionnalisation, de feuilletonisation, de mise en série télévisée de la vie politique, c'est-à-dire que la série télévisée West Wing est finalement aussi importante et aussi signifiante que le mandat réel de George Bush, par exemple. So just to quite quickly, as time is limited, there are lots of similar stories about Bush, about how he's accomplished his mission, or his stories about the end of the war in Iraq, to tell these kind of stories. And what's really important is the sort of technology of power, how these are framed. So for instance, there was a film of him in profile against the figures of the founders of America at Mount Rushmore. And one of his key advisors in communication said, it's what's more important than the face is what's around the face. And so we've now got to a situation where we have stagecraft rather than statecraft, and we have political fiction rather than political function, and that the political process has become more like a television series that you'll watch every week, like West Wing. Ce n'est donc pas une technique purement de communication, c'est véritablement une technique de pouvoir. Et j'en veux pour preuve, par exemple, le fait qu'on ait créé, imaginé, conçu et créé véritablement en 1997 l'Institut des technologies créatives à Los Angeles, qui est une sorte d'exemple magnifique de ce rôle du storytelling dans les techniques de pouvoir, puisque l'Institut des technologies créatives a été créé au moment où les budgets de la défense devaient être réduit à la demande de l'opinion publique aux États-Unis et des députés après la chute du mur de Berlin, et qu'on a décidé de passer de la technique des grandes manœuvres qui coûtaient très très cher, avec énormément de troupes qui s'entraînaient sur des champs de bataille réels, à des techniques de simulation. Et pour développer ces techniques de simulation moins chères, on a créé l'Institut des technologies créatives, qui a regroupé dans un même établissement des techniciens de la simulation militaire, hein, puisque l'armée a un savoir-faire en termes de simulation, simulation de vol, etc. Des universitaires de l'Université de Californie du Sud, qui soient spécialistes de neurosciences, d'intelligence artificielle, ou bien des théoriciens du récit, et surtout les meilleurs scénaristes de Hollywood, qui ont été embauchés donc pour créer des fictions permettant l'entraînement des soldats dans des sortes de théâtres virtuels, de jeux vidéo grandeur nature. So what's really interesting is the development of techniques of communication and to serve power, to serve the apparatus of power. And in 1997, the Americans set up the Institute of Creative Technologies in Los Angeles, which is basically devoted to storytelling. At that time, after the fall of the Berlin Wall, there'd been public opinion, and the electeds called for a cut in defense budgets. So the focus was moved to this Institute of Creative Technologies, where they developed techniques for simulation, particularly for military simulation, and brought together the military expertise in simulation, for example, in flight simulation. They brought experts in neuroscience and artificial intelligence. They brought in screenwriters from Hollywood to be able to train people in virtual warfare, or train them in techniques of virtual warfare. Je raconte dans le livre que ces technologies de jeux vidéo, en fait, on les retrouve au moment, puisque maintenant cet institut est le premier producteur de jeux vidéo militaire. Donc c'est un moyen de recruter des jeunes gens. C'est un moyen d'entraîner les militaires avant qu'ils partent en Irak,
Et c'est enfin un moyen de traiter les stress post-traumatiques lorsque les militaires reviennent d'Irak et qu'ils ont vécu des chocs traumatiques. And so what this institute has now become the leading producer of military video games, because they use them, military video games, to train soldiers before they go to Iraq or to Afghanistan in techniques of warfare, and also in order to, they use video games to manage post-trauma stress disorders. Bon, pour je vais terminer parce que je crois que j'ai déjà dépassé mon temps. Mais je me rends compte que je suis tombé dans le piège que je dénonçais au début, c'est-à-dire que j'ai parlé que de la politique. Donc je voudrais juste, si vous me permettez, faire une remarque brève pour essayer d'analyser pourquoi ces techniques se sont développées et pourquoi à ce moment-là de l'histoire, au début des années 90. Et je voudrais dire que l'invention, si on veut, de la storytelling machine est à la croisée de trois révolutions, trois grandes révolutions. So he apologizes for falling into the trap that he wanted to avoid at the beginning by focusing on political storytelling, but needs just to make a few points about why storytelling in this sense has developed since the beginning of the 1990s. And there are three revolutions that have happened. Il y a d'abord une révolution qu'on connaît tous très bien, qui est le changement de monde après la chute du mur de Berlin. En gros, la génération qui arrive à l'âge adulte au moment de la chute du mur de Berlin se trouve au fond confrontée à ce que j'ai appelé une situation d'impasse narrative. So the first one has been the changes that we've gone through since the fall in since the Berlin Wall came down, and the generation that has come to adulthood at that time has found it in a situation in a sort of narrative cul-de-sac. Il y a eu la fin du XXe siècle qui a été consacrée au moment de la chute du mur de Berlin en 89, mais il faut attendre le 11 septembre 2001 pour que le XXIe siècle commence vraiment. So we've really had to wait to the beginning of September the 11th for the end of the 20th century. So between the time the fall of the Berlin Wall, where we thought it was maybe the end of the 20th century, really the 20th century ended with September the 11th, 2001. Donc on a parlé à ce moment-là de la fin de l'histoire, Francis Fukuyama, la fin des idéologies. Il se trouve que cette génération est ne peut pas s'inscrire dans un récit collectif, dans une sorte d'impasse entre deux siècles, de parenthèse entre deux siècles. Et c'est très bien exprimé, vous savez, dans un roman de Douglas Coupland qui s'appelle Génération X, dans lequel les jeunes héros de la Génération X, au début du roman, disent « Soit nous faisons de nos vies un roman, soit nous sommes foutus. » So what's a key point about this, that we thought, you know, the end of the 20th century was the end of history, as Francis Fukuyama wrote in his book, that this sort of narrative cul-de-sac has been described very well in Douglas Coupland's book Generation X, where he said, either we die or we invent a new kind of story about ourselves. Cette tendance à transformer l'individu en une sorte de narrateur de lui-même. Le philosophe Sloterdijk parle de l'individu designer, mais Michel Foucault avait parlé aussi de l'individu entrepreneur de lui-même. So what we now become is that we're in a situation where individuals have to become their own narrators. And one philosopher described it as the individual as the designer of him or herself. Foucault described people as having to be the entrepreneur of their own lives. Et ça explique que cette première révolution, donc née de la chute du mur de Berlin, ait été en quelque sorte renforcée par une deuxième révolution, qui est la transformation du capitalisme et la révolution néolibérale. So this first revolution, sort of identity, of subjectivity,
has been followed up by a second revolution about a crisis in neoliberal capitalism. Cette révolution néolibérale accompagne et a pour effet de promouvoir un nouvel individu qui est flexible, adaptable, qui reflète les attentes du marché, c'est-à-dire des gens qui ont abandonné leur loyauté ou leur fidélité à un passé, qui sont totalement disponibles pour s'adapter continuellement à un environnement changeant. And so what this neoliberal revolution has done is to create a new kind of individual who has to be flexible, who has to be constantly available to changing market conditions, and who is no longer has abandoned loyalty to a past identity. Le troisième facteur sans lequel cette machine storytelling ne se justifierait pas. Juste un mot quand même sur la révolution néolibérale. Ça explique en particulier que cette storytelling machine apparaisse sous forme d'abord de storytelling management. So just a little point, extra point about the neoliberal revolution. It's very much, to make it understood, it's about the management of storytelling. C'est-à-dire en fait une technique, une révolution managériale qui permet aux chefs d'entreprise de fédérer une communauté de travail après la crise du Fordisme. Yeah. And so this, after the crisis in Fordism, the storytelling from a managerial perspective has become crucial in order to manage in companies to federate a group of individuals to adhere to a common purpose or objective. La troisième révolution sans lesquelles le storytelling ne serait, cette machine storytelling n'aurait pas pu voir le jour, c'est évidemment une révolution technologique, c'est-à-dire à la fois la révolution numérique, l'explosion d'Internet, la transformation de l'offre médiatique avec les chaînes d'info 24 heures sur 24, la télévision par câble, qui vont complètement transformer le paysage audiovisuel, et qui vont créer une grande compétition parmi les porteurs de messages et pour lesquels le storytelling va être un moyen de s'identifier et de mener, d'essayer d'imposer leurs messages par le biais des histoires. So the third factor has been the revolution, the technological revolution that we all know, the digital era has ushered in, and the explosion of the internet has meant that the offer of media opportunities or information has been, you know, extremely vast. We've got TV stations broadcasting, you know, 24 hours a day, and so the competition to get messages across has meant that storytelling has become an indispensable tool to refine messages and to make use of those media. Voilà, je voudrais dire un dernier mot de conclusion en évoquant une histoire moi-même, qui est celle de Nicolas Gogol. Vous savez, Gogol, qui est à Rome, il a la tâche difficile d'écrire la deuxième partie des âmes mortes, et ce pauvre homme n'a plus d'imagination. Ce génie du comique a perdu toute ironie et tout sens de l'humour. Mais qu'est-ce qu'il fait? Éloigné de sa Russie, qui était un peu le terreau de son imagination, et il écrit des lettres sans cesse à de vieilles bigotes russes en leur demandant, les implorant de lui raconter des histoires de fonctionnaires, des histoires, vous savez, toutes ces histoires qui agitent la Russie dont il est éloigné. Et il a cette formule extraordinaire, il dit à ses correspondantes, apportez au monde vos récits naïfs. Eh bien voilà, je pense qu'aujourd'hui, cette injonction de Gogol à ses correspondantes est devenue au fond l'injonction sociale majeure, c'est-à-dire au fond que ce soit le pouvoir dans l'entreprise, le pouvoir des médias, le pouvoir des hommes politiques, tous ces gens nous disent apportez au monde vos récits naïfs. Je vous remercie. So, just on a final note, we'd like to think about Nicolas Gogol when he was in Rome, far from native Russia, which was the inspiration for his work, and he was struggling to write the second part of Dead Souls, and he sort of lost his sense of humor and irony, but then
he wrote to friends in Russia and said, please send me stories of civil servants, send me stories of ordinary people. And he had a really interesting phrase that he used. He said, bring to the world your naive narratives. And we're now in a social situation where in the political environment or social environment, the social sort of command is to come up with naive and maybe boring stories. Thank you very much. And I wanted to try to tempt Christian to tell us some more stories, particularly following on from what you were saying about the neoliberal fiction enterprise. One of the most striking aspects, I think, in a couple of chapters of your book is that you say that corporate storytelling takes two forms. There's the external, when the company tells it the story about its brand to the public. But there's also the internal storytelling, where the workers have to tell their own stories and become part of a story. And you talk about Vietnamese factory workers who feel oppressed by having to accede to these fictions of teamwork. And you also, there's a wonderful passage about what happens to Indian call center workers. And I wondered if you could explain that some more to us now. Peut-être je vais donner l'exemple des call centers. Pour aller vite. Give the example of the Indian call centers. Bon, l'histoire des call centers, ce sont, vous savez, ces salariés des call centers, donc des centres d'appel en Inde, qui sont devenus une activité en développement. Ça concerne une quantité considérable d'hommes et de femmes qui travaillent dans ces call centers. Et ces ouvriers sont en quelque sorte en communication avec des gens qui veulent des renseignements aux États-Unis. Donc ce sont des sortes d'émigrés dans le temps. Hein. C'est-à-dire qu'ils doivent, pour pouvoir répondre à ces Américains qui leur posent des questions, ils doivent se transporter dans l'espace et dans le temps, puisqu'ils travaillent la nuit pour être synchrones avec le décalage horaire. Et ils doivent en quelque sorte se transplanter et adopter et connaître les archétypes les plus courants, la météo, les matchs de foot, l'humour, enfin tout ce qui fait que vous donnez l'illusion d'être un Américain qui répond au téléphone à un autre Américain et non pas un Indien perdu dans une banlieue de New Delhi. Je parle parce que les gens ici doivent connaître très bien. Christian is describing what we perhaps all know about the Indian call centers. We use the example in the US, where the workers in these call centers, or the call center operatives, will work at night to be in time to be able to respond to callers from the US. And they're sort of emigrants in time because they have, although they're not actually moving, they have to know about what the weather's like or sort of like the cultural aspects of what's going on in the US. So they're sort of transported into a different environment by the telephone. Oui, j'ai pris cet exemple dans le livre parce que c'est une métaphore formidable de la manière dont les théoriciens du management, je te disais ça ce matin, appellent les expériences tracées. Parce que comment former ces jeunes travailleurs pour devenir ces pseudo-américains? Eh bien, on leur donne à voir des séries américaines en particulier. On leur transforme l'accent, mais le moyen le plus efficace de leur permettre cette sorte d'acculturation ou de transculturation, c'est de leur faire avaler des séries télévisées en permanence. And what's one of the remarkable aspects of this, and it's a formidable metaphor, is for what they, in French, is described as traced experiences, but you might say that like the traceability of experience. And so to create these sort of pseudo-Americans, they are gorged with American TV series, and so that they will know, they will become a sort of acculturation or transculturation of their lived experience, which will be controlled by the company. Et ensuite, ils sont d'abord ils changent de nom, ils prennent des prénoms américains.
Et il y a cette histoire extraordinaire de cette jeune femme qui travaillait dans un call center et qui, au fil du temps, mue véritablement, c'est une véritable mutation génétique, puisque elle, évidemment, elle se teint en blonde, elle se fait dépigmenter la peau, et elle finit par, elle a des stages linguistiques qui lui gomment son accent originel, et petit à petit, elle décide de se transformer en Marilyn Monroe indienne. Et on voit, il y a un documentaire qui a été fait sur cette femme, c'est absolument terrifiant, parce qu'à la fin du processus de mue, on voit une femme qui est absolument, qui a toute la peau du visage rougie par les, par la dépigmentation, une blondeur qui a de traitement des cheveux qui a abîmé ses cheveux, et on a véritablement pas du tout la vision de Marilyn Monroe, mais d'une sorte de cyborg absolument étrange, qui n'est pas américaine, qui n'a pas réussi à devenir américaine, mais qui n'est plus du tout indienne, et qui est donc entre perdue entre les continents, entre les genres et les espèces, une sorte de caricature de ce que nous pourrions tous devenir dans cette sorte de transfictionnalisation généralisée. So one of the kind of horrendous aspects of it is that the call center operatives take on American first names, and Christian gave the example, there was a documentary made about one woman who gradually mutated into an American. She dyed her hair blonde. She had skin whitening products on, because what she wanted to do, she wanted to become Marilyn Monroe. But what happened was that as she went on, it destroyed her skin, her hair was sort of falling out. And so this had become a sort of like a monster lost in sort of a sort of cyberspace between continents and culture.